Bonjour à toutes et tous. Donc, comme vous le savez, hier j'ai fait la tournée de quelques écoles de ma circonscription et je continue dans la même lancée aujourd'hui avec la visite de collèges et de lycées. Donc là, je reviens du collège d'Autis. Je vais aller visiter maintenant le collège de Charny, qui est vraiment tout récent. Et j'ai déjà eu quelques retours de la part des personnels, notamment sur la question des groupes de niveau. Vous savez, cette réforme menée par Gabriel Attal qui pose de nombreux problèmes, notamment d'un point de vue organisationnel et du point de vue des moyens. Et qu'il y a aussi pas mal de conséquences auxquelles on ne pense pas, notamment sur la question des projets pédagogiques qui se retrouvent entravés par cette réforme. On m'a alerté également sur la question de la santé des élèves. Les écoles primaires, les collèges, les lycées sont de véritables déserts médicaux. Et ça pose notamment problème pour la question de la santé mentale des élèves qui est en dégradation constante. Et j'ai pu le constater notamment lorsque j'étais enseignante moi-même. Je vais vous évoquer par exemple ce concours de poésie que j'ai fait avec les élèves et qui m'a montré à quel point les envies suicidaires des élèves étaient en augmentation. Alors cet après-midi, je vais visiter le lycée professionnel de Clessouilly, puis après le lycée général de Lagny-sur-Marne. Il est important d'avoir une vision globale des établissements scolaires. À plus tard.